Bonjour, bienvenue dans votre chaîne de soutien scolaire gratuit et bienvenue dans cette série de un mot de français. Le mot d'aujourd'hui, c'est celui-là. Regardez bien. Donc, je vais le mettre dans une phrase pour découvrir ensemble ce mot. Ils arrivent. Alors ici, nous avons le verbe « arriver » qui est à la troisième personne du pluriel. Donc, il prend « ent » à la fin. Est-ce que on peut prononcer « ent » ? Non. Donc, on dit « ils arrivent ». On écrit « ent » mais on ne les prononce pas. Ils arrivent. Qu'est-ce qu'on dit ici? Nous avons aussi ENT à la fin. Est-ce qu'on va dire s'ouvre ou bien on va dire souvent? Eh bien, on va dire souvent. Ils arrivent souvent en retard. Donc, souvent n'est pas un verbe. On va voir une autre phrase. Les écoles, donc c'est un sujet pluriel, ouvrent, regardez bien, ENT à la fin. Est-ce qu'on dit ouvrons? Non, on dit ouvre. C'est le verbe ouvrir à la troisième personne du singulier. On écrit ENT, mais on ne prononce que ouvre. Les écoles ouvrent. Qu'est-ce qu'on dit? S'ouvre ou souvent? Eh bien, on dit les écoles ouvrent souvent à 8 heures. Donc, souvent n'est pas un verbe. C'est quoi alors ce mot qui est souvent? Eh bien, c'est un adverbe. Un adverbe, ça veut dire un mot invariable. Qu'est-ce que ça veut dire un mot invariable? Eh bien, un mot invariable veut dire un mot qui ne change pas. Un mot qui ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'a pas de pluriel, il n'a pas de singulier, il n'est pas au masculin, il n'est pas au féminin, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas un adjectif, ce n'est pas un nom. Alors, c'est quoi alors cet adverbe qui est souvent? Eh bien, c'est un outil de la langue qui nous donne une information sur le nombre ou la fréquence d'une action. Et comment c'est? L'action est exprimée par un verbe. Alors, on va revenir à notre première phrase. Ils arrivent souvent en retard. Avec quoi on peut remplacer souvent? On peut remplacer souvent par l'expression la plupart du temps. Donc, beaucoup de fois, plusieurs fois. Donc, ils arrivent plusieurs fois en retard. Ou bien, ils arrivent la plupart du temps en retard. Les écoles ouvrent souvent à 8 heures. On peut remplacer souvent par les écoles ouvrent habituellement à 8 heures, donc d'habitude. Ou bien généralement, donc en général, ou bien fréquemment, qui veut dire
plusieurs fois. Donc, rappelez-vous, on dit toujours souvent et on ne dit jamais souvent parce que le mot souvent est un adverbe et ce n'est pas un verbe. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous vous abonnez à ma chaîne. À la prochaine fois.